Allez, me revoilà avec le Moshav et cette fois en 6S. On va voir ce que ça dit. Bon, déjà en 4S, bon, moi ça m'allait ici. Hein. On est un petit terrain. Donc, puis à la radio, je peux diminuer la puissance au cas où. Bon, la Caro, elle est baptisée. Et vous voyez, j'ai plus l'éclipse, comme j'avais déjà expliqué. J'ai mis les molettes ProLine avec des vis où j'ai fait tout transpercé. Voilà. Allez. Six S. Et c'est des vieilles lipo 3S Genas, elles ont 5 ans. On va voir, je les utilise rarement. Ouais, en 6S, ça envoie. Je vais rouler un petit peu avec et juste contrôler la chauffe. Aïe, aïe, aïe. Et ma Caro derrière, elle commence à casser. Le problème des short-courses. Et mes bavettes, pareil, que j'ai fait en caoutchouc. Mes bavettes, elles vont même pas faire la session, je crois. Ouais, non, mais c'est mort. Elles sont trop fines. Pour l'escale, ça va, mais... En tous les cas, je suis content des pare-boues parce que ça a bien protégé l'intérieur. Où je suis? Aïe, aïe, aïe. Salope luxe. Merci. Merci.
au moins 28 chevaux. Ouais. Il roule plus le Sledge. Ah oui, j'ai pas de... Ah! J'ai diminué ma puissance. Ça me va là. Bon, je reprends. Wow! Il est arrivé de nulle part, lui. Alors, le chien? Oh, la carrosserie, ça va. Ouais, il me faudrait un thermomètre. Allez, on va laisser refroidir pour l'instant. Il me faut un thermomètre parce que là, ça trompe. Ouais.